Tu avais raison. Des hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Vraiment à souffrir. Donne-nous la poudre. Mort au modéré. Merci. Tout va bien? Oui. Si vous acceptez de me conduire en sûreté, je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Hey, si tu t'ennuies, je peux te découper les boyaux. Ça te donnera de quoi t'occuper. Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là? Battu comme une vie. Rien. Thank you.
toi de la liberté. À nous. Non, trouve plutôt déplaisante. Pourquoi? Inaugurer une prison alors que le peuple crie famine dans les rues, n'est-ce pas précisément ce contre quoi nous nous sommes soulevés? C'est plutôt le symbole du triomphe de la justice révolutionnaire sur la tyrannie de la monarchie. Il paraît qu'ils vont bientôt débattre de l'éventualité de juger le roi. Un procès? C'est un tyran, un ennemi de la nation. On devrait l'exécuter sans jugement. Voilà ce qui se passe quand on laisse une assemblée de juristes diriger un pays. Une suite de procès et de dépositions. Êtes-vous au courant pour Monsieur Vidal? Non. Que s'est-il passé? Quelqu'un est entré dans sa boulangerie et lui a volé toute sa farine. C'est affreux. Certes, il se retrouve sans le sou. Il était temps que le gouvernement s'empare de cet endroit. Les prisons sont pleines à craquer. Très juste. Je pense que d'ici peu, Grenier, nous allons devoir convertir ce palais de France en jaune. Ne serait-ce pas un bien meilleur usage? Des coffres secrets, des correspondances discrètes, des scandales royaux. On se croirait dans un roman d'aventure. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, de voler me parle. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le métier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Garde! Garde! Que se passe-t-il?